t'aiderai si tu veux. Hein. Je t'aiderai, franchement. Il faudra revenir ici après la manifestation à 17h pour une assemblée générale des citoyennes et citoyens. Ici à 17h après la manif. Et ce soir à 19h30. 19h, 19h30. Au rond-point du McDo à Saint-André-de-Cubzac, nous préparons une petite action. J'insiste sur l'aspect qu'il faut trouver des stratégies, des actions directes. On est quand même à 3 mois du mouvement des Gilets jaunes. Le premier thème sera sur le logement. Deuxième thème après le logement sur une action concernant les gardes à vue. Comment se protéger par le biais d'avocats bénévoles. Troisième action, le RIC. On y travaille tous, mais à chacun, à nous tous, apporter également des propositions concrètes. Également, quatrième thème sur la destitution de Macron. Destitution de Macron par voie institutionnelle. Cinquième thème que nous vous proposons, c'est de travailler très concrètement toujours sur des actions économiques. Qui dit action économique, on va parler de blocage. Blocage de points économiques névralgiques en Gironde. Venez apporter donc vos propositions, qu'on puisse tout coordonner et agir ensemble efficacement. Donc je compte sur vous à partir de 17h de nous rejoindre ici à la place de la Bourse de 17h à 19h. Il ne s'agit pas qu'un débat, mais de trouver ensemble des solutions pour avancer. Cette situation a assez duré concrètement. Vive les Gilets jaunes! Le 17 et le premier jour, parole des Gilets jaunes! Ouais.
gens tomber à la mer. J'ai vu des gens fuir la misère. J'ai vu des gosses creuser la terre au profit de gros milliardaires. J'ai vu l'État créer des guerres, vendre des armes pour les affaires. Démocratie autoritaire pour nous faire manger la poussière. Dérange ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet. Et débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes. Je m'en vais pour laisser la mort et enfile qui ne me correspond plus. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes. Je ne veux pas vivre dans un monde où les colons ne volent plus. Je veux agir pour cette terre, je veux bâtir pour être fier. Je veux un peuple uni et frère, je veux l'amour dans nos prières. Je veux des sourires dans la rue, loin des politiques corrompues. Pour pouvoir passer au-dessus, loin des promesses jamais tenues. Des référendums populaires, des décisions limpides et claires. Récupérer ce que l'on perd, l'humanité face au monétaire. Nos discours mal entendus, seul le mépris nous est rendu. La stratégie est adoptée, nous diviser, c'est mieux régner. Nous avons le devoir de chacun faire sa part. Gardez encore l'espoir de reprendre le pouvoir. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet. Et débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes. Je m'en vais pour laisser la mort et enfile ton gilet. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes. Je ne veux pas vivre dans un monde où les colons ne volent plus. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet. Et débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes. Je m'en vais pour laisser la mort et enfile ton gilet. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes. Je ne veux pas vivre dans un monde où les colons ne volent plus. Je ne veux pas vivre dans un monde où les colons ne volent plus. Je ne veux pas vivre dans un monde où les colons ne volent plus.
concrètement débattre à la place de la Bourse et proposer alors des actions, je dirais, concrètes. Là, cette communication que nous avons entre nous, Gilets jaunes, c'est trouver des solutions après 3 mois de manifestation, donc à réaliser pour faire avancer la situation, pour stopper cet état totalitariste. Donc aujourd'hui, nous vous proposons ainsi cette organisation. Bien sûr, vous, Gilets jaunes, vous êtes complètement libres, comme vous le souhaitez, d'intervenir, puisque c'est un débat public. Ce que je vous demanderai pour cette première Assemblée citoyenne, je vais vous demander du respect entre vous au niveau de nos échanges et permettre à chacun de s'exprimer. Donc plus il y aura d'échanges d'idées constructives, on prendra les informations et on vous fera donc un retour. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, donc libre à vous après donc de le réorganiser. Quand nous parlons de commission, messieurs, dames, c'est évoquer avec vous des thèmes bien concrets. Donc ce qui va se passer, qui dit commission, dit petit groupe de parole. Donc je vous demanderai de vous déplacer. Moi, par exemple, je m'occupe de la commission destitution Macron. Je crois que ça évoque tout le monde. Oui. Donc, ceux qui ont des idées, moi j'ai travaillé sur l'article 68 et toutes les pétitions à l'heure actuelle qui sont internet, n'hésitez pas à me rejoindre. Sachez que nous avons d'autres commissions. Donc vous avez une commission, la première, alors dis-moi. L'écologie. L'écologie. C'est donc marqué. N'hésitez pas à rejoindre ma collaboratrice. Bravo. Donc, je propose le petit bouton. Garde à vue. Garde à vue. Avoir des informations sur toutes les structures policières ou avocats qui pourraient intervenir dans le cas où vous êtes prise à partie. Plutôt donc, des structures anti-policières d'ailleurs. Voilà, bien donc voilà par rapport à la commission formation garde à vue. Nous avons d'autres personnes. Moi je vous propose une commission sur les municipales 2020, on y va ou pas. Si ça intéresse de discuter là-dessus, on trouvera un endroit pour ça. Bon, c'est bien, vous êtes partant. Une autre commission, là c'est le RIC. Donc si vous avez des idées concrètes pour faire avancer le RIC, n'hésitez pas à rejoindre monsieur, là, notre gilet jaune. Mathieu, ouais. Bravo. Il y a des propositions qui peuvent aller dans les deux. Ah, oui. Tout à fait. Ah, oui. Choisissez-nous, monsieur, et puis nous débattrons, il n'y a pas de souci. Voilà, il suffit de faire un choix. Le RIC, il y a des propositions qui se rejoignent, je comprends. On sera constructif. Dis-moi, Emmanuel. Je rajoute que, là, ici, si les personnes veulent porter une commission, veulent proposer une commission que nous n'avons pas proposée, qu'ils viennent une pancarte, qu'ils viennent ici pour montrer qu'ils veulent porter une commission, proposez-la maintenant et mettez-vous par groupe. Oui, j'ai entendu, la retraite. La retraite. Un thème commission spéciale pour tout le monde. Un thème commission retraite. Spéciale retraite. Pour tous. Bon. Vous voulez le prendre en charge, vous êtes monsieur? Les retraites spéciales pour tous. Est-ce que vous voulez débattre? Est-ce que vous voulez organiser? Moi, je suis monsieur personne. Ah oui, mais on demande aux personnes de venir pouvoir gérer leur... Je suis monsieur humain. Monsieur... Mais nous, nous sommes monsieur humain. Madame, c'est une retraite spéciale pour tout le monde. Votre sonnance, une commission pour s'attaquer aux financiers. Donc, puisque c'est surtout les financiers qui dictent aux politiques ce qu'il faut faire au détriment des gens. Et donc, voir pratiquement comment on peut faire des actions ponctuelles devant une banque en particulier ou des institutions financières. Ou alors les grands groupes pétroliers. Blocage économique ici. On y va, on y va. Blocage économique, je vais, monsieur. Ça me passe. Alors moi concrètement, par rapport à la destitution, par rapport à la destitution Macron, j'ai regardé 2 moyens pour destituer Macron de manière légale. Je dis bien légale, hein, concrètement. Première. Je vais faire des groupes. Attends,
politique. Donc notre organisation est peut-être pas très professionnelle, mais en tout cas le mérite de tous nous réunir, Gilets jaunes, et de pouvoir donc trouver des solutions ensemble. C'est dur d'apprendre quelque chose que l'on ne connaît pas. C'est là où aujourd'hui c'est un peu leur force, tu vois, c'est des cons, mais... On peut inventer, on peut être créatif. Mais nous, dans notre cas, c'est très compliqué. Dans notre cas, c'est très compliqué. Il faut qu'on respecte aussi tout ce système de loi qu'il y a en place, parce qu'on ne peut pas mettre... Voilà. Mais pour ça, il faut connaître. Je veux dire, si on veut créer quelque chose, si on veut faire quelque chose, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Sinon, dès le lendemain, on va se faire taper sur les doigts. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas d'alternative. On n'a pas le choix actuellement que de gagner des euros pour dépenser le peu qu'on va bien vouloir nous laisser, s'il vous plaît. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on crée un système parallèle avec une nouvelle monnaie qui n'est pas créée par des banques, mais qui est créée par tout le monde. Tout le monde reçoit 10 unités de monnaie tous les jours. Et avec ça, on peut faire des échanges. Ça dépasse la gratuité, ça dépasse la technicité des banques. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et vous n'en entendrez jamais parler à la télé. Il suffit que vous ayez sur Internet et vous tapez « monnaie libre ». Monnaie libre. Je ne comprends pas ça et je veux qu'on m'amène des réponses. Que ces réponses elles soient politiques, sociales, philosophiques, je m'en fiche. Il faut qu'on m'amène des réponses. J'espère que vous m'arrêtez si je fais du hors-sujet. Le RIC, pour moi, c'est une partie des réformes institutionnelles qu'il faut faire en France. C'est un petit peu dommage que dans les AG, on ait fait des thèmes qui soient aussi restrictifs, j'ai envie de dire. Parce qu'avant le RIC, il y a quelque chose, moi, qui me tient à cœur et qui simplifierait pas mal la vie politique en France, modifier uniquement dans la Constitution le fait que pour être élu national, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Non, mais il n'y a pas besoin du RIC pour ça. Il faut demander ça. Ça fait partie des demandes institutionnelles à faire. Les maires, on leur demande d'avoir un casier judiciaire vierge. Les fonctionnaires, on leur demande d'avoir un casier judiciaire vierge. Les chauffeurs de taxi, comment nos représentants, non, on ne pourrait pas l'exiger d'eux. Moi, je pense que au-delà du RIC, il faudrait mettre tout ce qu'il faudrait changer dans les institutions. Il y avait une bonne idée qui a mal tourné, ça. C'est-à-dire que... moi, je suis absolument d'accord avec ça. Hein. Mais je vois très bien d'où ça peut venir, le fait qu'on n'en ait pas un casier du service. C'est pour que le peuple puisse dire qu'il voulait, je veux dire, même s'il avait été condamné pour des faits de ceci, etc. Il y a des tas de choses comme ça qui ont mal tourné, d'une certaine manière, mais qui n'étaient pas une idée dégueulasse à la base. Et quand je parle des élus, je parle aussi des ministres. Parce qu'on s'est retrouvés les deux dernières élections, chaque fois qu'il y avait le gouvernement était nommé, on épluchait et on sortait tous les ministres qui avaient fraudé. On va savoir qu'actuellement, ils ont voté une loi. Dernièrement, ils ont voté une loi. Attendez. Et en lien avec ça, bon, il y a la question des bonnes questions. Et moi, par rapport à tout ce qui est référendum, je me pose aussi la question des médias, en fait. Parce que si on a des médias qui sont hyper manipulateurs, c'est un peu le cas, ou détenus par des grandes familles ou des grandes puissances, et qu'on est bombardé d'informations, on est forcément hyper influencé. Et là, on perd un petit peu notre liberté de vote. Justement, dans la Constitution, les médias sont aussi sous surveillance. Pareil, règle que je rajoute comme ça, les paroles, vous pouvez les prendre aussi entre vous. Vous levez la main, essayez de vous respecter, de voir, parce que ça va lever la main dans tous les sens et je ne suis pas arbitre. Je suis là comme vous, voilà. Alors, pour réagir à ce que tu viens de dire, parce que c'est très important, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le RIC, bon, c'est pas forcément la référence unique, mais je vous invite quand même à regarder le live qui a été fait par des Gilets jaunes. Hein, c'est comme ça que ça a démarré, que le RIC est arrivé chez les Gilets jaunes, en fait. Hein. Le live, non, c'est pas comme ça ? Non, c'est pas par le live. Le RIC est très vite arrivé dans la demande des Gilets jaunes. Il y a eu les 40 propositions des Gilets jaunes, ouais. Et dans ces 40 propositions, il y avait le RIC. Donc, c'est bon, les salaires, les machins et d'accord. Tout ça, mais le RIC, c'est en tout cas, une façon relativement simple et efficace d'en apprendre un peu plus, c'est de regarder le live qui a été fait avec Étienne Chouard et Maxime Nicole. Après, par rapport à la question que tu poses, qui est très intéressante et qui est capitale en fait, parce que sinon on ne peut pas y avoir de RIC sérieux, il faut voir aussi l'entretien intéressant, je trouve, qui a été fait entre
Étienne Chouard et à Asselineau de l'UPR. Pas du tout que je veuille mettre l'UPR en avant, c'est pas du tout mon idée, hein. J'ai pas voté pour eux. Hein. Mais c'est juste que leur débat est intéressant, parce que justement, Asselineau à l'UPR, et ça a été un des premiers, en tout cas, à poser la question de l'indépendance des médias, sans laquelle, effectivement, le RIC est forcément en danger. Concrétiser cette histoire de RIC, pourquoi tout simplement ne pas créer un site internet où les gens proposent une question qui serait posée et ensuite non. La question majoritaire. Mais alors comment ça va être mis en place? Ce n'est pas possible parce que vous avez raison, les réseaux sociaux sont contrôlés. Non mais ça ne serait pas sur un réseau social, ça serait des gilets jaunes. Actuellement, ils sont en train de promouvoir une loi justement pour réduire la communication sociale. Donc comment voulez-vous faire? Il existe le site d'Étienne Chouard qui s'appelle le plan C. Et sur le plan C, il remet la Constitution, il réécrit à plusieurs, ils réécrivent la Constitution, chacun peut y amener un article. Et ça, c'est pas encore, si vous voulez, censuré. Donc le plan C d'Étienne Chouard. Et après, Étienne Chouard, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, avait animé un débat ici à Darwin, suivi d'un allié constituant. Et ça, vous allez le trouver sur... YouTube, chercher Étienne Chouard et puis vous verrez Bordeaux. Et, donc ça, c'est là. Des petits ateliers citoyens, c'est ça, où voilà, chacun s'entraîne à exercer son pouvoir de décision, voilà, de constitution. On peut le faire comme ça. Bon là, c'est pas un atelier constituant, mais on peut le faire à deux, on peut le faire à trois. Bon là, on était quand même très nombreux. Moi, je me suis retrouvé dans un groupe, on était une dizaine. On a réussi quand même à écrire quelque chose. Je me rappelle plus sur quoi. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Alors il y en a un qui va se faire demain à Saint-Médard-en-Jalles, un atelier constituant, je ne me rappelle plus où. Mais ce sont des choses qu'on peut faire comme ça dans le privé, discuter entre nous, se dire bon ben voilà, on va faire un article sur le vote et on va parler du vote blanc, comment on va le faire, et des choses comme ça. Enfin, bon. C'est ça la constitution, c'est ça qu'on peut écrire. Alors, bonjour, je m'appelle Raphaël. Je voudrais poser une question un peu pratique sur le I du RIC, l'initiative citoyenne. Est-ce qu'on a des éléments de réponse aujourd'hui sur comment se passerait une initiative, comment on organiserait cette initiative qui viendrait des citoyens? Quels outils les citoyens peuvent avoir pour dire « nous, on veut poser une question » où tous les Français peuvent répondre par oui ou par non. Qu'est-ce qu'ils auraient comme manette pour activer la machine, enfin, de façon pratique, pragmatique? Comment ça peut se passer? Comment les gilets jaunes sont nés? Voilà, alors là, c'est une initiative complètement, qui n'est pas institutionnalisée. Mais dans le cas où... Ce serait le même principe. Imaginer, mais tout est possible, tout est ouvert. Ouais, ok. Ouvert. Et mais finissez. Oui, ben voilà, du coup, je voulais savoir si quelqu'un avait des éléments de réponse sur, concrètement, on pourrait déclencher un référendum dès que 20 000 personnes ont dit sur un site internet, on veut absolument poser une question, etc. Tout dépend de la question. Tout dépend de la question, mais je me demandais s'il y avait ce genre de discussion. C'est une bonne question, c'est du domaine pratique. Je suis d'accord avec vous sur comment on fait. Vous avez proposé de mettre en place un site internet. C'est pas aux gilets jaunes de faire la police dans le mouvement, tout comme c'est pas à nous, citoyens, normalement, d'organiser nous-mêmes nos outils. On est censé avoir du service public. On paye, moi pas encore, je suis étudiant, mais vous payez quasiment tous ici des impôts. Je pense que c'est pas à nous de le faire, vous voyez ce que je veux dire. On a des chaînes de télé, quasiment tout le monde chez soi a une télé. C'est vrai que c'est un outil de propagande énorme aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait juste prendre la tangente en fait et modifier ces outils-là. TF1 peut être une arme pour le référendum d'initiative citoyenne, ça peut être une arme extrêmement utile. Je vois pas. Et dangereuse. Qui maîtrise TF1? Bien sûr, mais le site internet. Oui, mais ce qui est dangereux, c'est TF1, c'est pas le référendum. Les seuls journaux qui sont privés, c'est l'Humanité et le Canard Enchaîné. Ça fait 10 ans en France que les canards. Avant, c'était pas comme ça. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Les journalistes, les journaux, c'était privé. Parce que l'argent était tout ça. Le canard est pas libre. Mais les gens s'emparent d'un sujet de société,
Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas voter toutes les 30 secondes à propos de tout, à propos voilà, de la devanture, de la... C'est en effet la première critique. Donc, quand un sujet de société, bon, ben, ça va se répandre, les gens parlent, etc. À ce moment-là, quand on a le nombre voulu, et ça, alors, ça discute, hein, y en a qui proposent 1 million, il y en a qui proposent 500 000, il y en a qui proposent... Moi, j'en sais rien. Il semble que les Suisses, ça soit 100 000 ou je ne sais pas quoi, ouais. Mais c'est un pays tout petit, donc... quand on a le nombre suffisant, alors à ce moment-là, on organise le référendum. Et là, tout le monde vote, mais là il y a une campagne, enfin, je veux dire, on peut le faire comme font les Suisses, je crois que c'est des trucs à... C'est multiple, hein. Ils votent pas à tous les coups. C'est une manière de tempérer, mais c'est mon outil. Voilà, je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas trop de problèmes. C'est pas directement les gens qui arrivent, salut, on fait un référendum, mais non, on fait un référendum, c'est impossible, ça. On pourrait peut-être décentraliser. Mais c'est ça, c'est que pour lui répondre... Déjà, on parle des modalités, si tu veux, de l'IC, etc. Mais le but, c'est de l'obtenir. C'est ça. Jamais ils ne le donneront. Jamais nos parlementaires ne voteront le RIC, les amis. On a seul quand même dépensé ça, je pense. Donc, voilà. Ou alors, on aura un truc... Désolé, mais pour répondre encore, je suis désolé de reprendre la parole à ta question, c'est que justement, effectivement, en fait... C'est le propos des assemblées citoyennes de Gilets jaunes. C'est un peu ce qu'ils ont fait à Commercy, ce qu'ils sont en train de faire à Toulouse. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire. C'est que pour être crédible aux yeux de l'ensemble de la population, il faut qu'on arrive à se constituer en assemblée citoyenne de Gilets jaunes et qu'on s'applique à nous-mêmes le RIC. Donc l'atelier, je pense ici, si on veut vraiment qu'on avance, ça serait intéressant de définir les modalités d'un RIC qu'on pourrait s'appliquer à nous-mêmes au mouvement des Gilets jaunes, parce que si on arrive à le faire fonctionner au sein du mouvement des Gilets jaunes, alors là on est crédible pour l'ensemble de la population. Et on casse l'image qu'on voit souvent dans les grandes chaînes d'information, où on a des scènes de violence, avec le panneau RIC. Et ça, ben, les gens qui ne connaissent pas, qui sont ni dans le mouvement et qui ne connaissent pas le RIC, ben, ça leur fait peur parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce RIC? Est-ce qu'ils veulent une dictature populaire et renverser le pouvoir? Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Le propos du RIC, c'est pas de tout foutre en l'air nos institutions et dégager tous nos élus. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de pouvoir contrôler nos élus. C'est que nos élus, ce soient plus des élus avec des mandats, avec carte blanche, mais que ce soit des élus qui soient mandatés par le peuple pour appliquer ce qui leur est demandé. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, ça veut dire que si on se monte en assemblée citoyenne de Gilets jaunes et qu'on veut s'appliquer à nous-mêmes le RIC, ben, il faudrait qu'on ait des mandataires qui soient élus à l'unanimité, et c'est des mandataires qui tournent, c'est-à-dire c'est pas des mandataires vitam aeternam, c'est des mandataires qui tournent, et il y en a plusieurs aussi. Voilà. Je vais rebondir du coup, on n'est pas obligé, on peut faire encore plus simple. N'importe qui ici a une proposition, il écrit, d'accord. Il y a quelques volontaires, 2-3 volontaires qui lisent les propositions, et celles qui reviennent le plus souvent, on les propose à l'ensemble. Ça peut être aussi simple. Tout à fait, ouais. Quant aux modalités par rapport au nombre de gens, le nombre de gens, on le verra plus tard, mais moi je suis pour qu'il n'y ait pas de nombre minimum. C'est-à-dire que les propositions qui reviennent le plus souvent, il y a des volontaires qui les lisent, et celles qui reviennent le plus souvent, on les propose à l'ensemble. C'est aussi simple que ça. Mais moi ce que je voulais dire au début, c'est que le RIC, donnera pas, il faudra le l'avoir. Donc moi j'ai une idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut, s'il y en a qui a une meilleure idée, voilà, moi je suis ouvert. C'est que c'est toujours la même histoire, tu sais, quand tu parles d'un sujet un peu intéressant, ça, on en arrive toujours au même point, c'est ouais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est quand même puissant, quoi. On fait 2-3 tours dans la rue tous les samedis, voilà, bon, c'est cool, mais ça quand même pas grand chose. Donc moi j'ai une idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais ce qu'on peut faire, c'est que. Si tu veux, il faut un précédent. Pour avoir la légitimité, en fait, il faut l'imposer. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il faudra l'imposer. Alors, c'est quoi ton idée, alors? C'est quoi ta proposition? Il faut faire pour la première fois. Il faut montrer qu'on est capable. Comment peut-on demander le RIC si on n'est pas capable de le faire, par voilà, exemple, une seule fois, une chose ensemble? La chose en question, ça pourrait être un RIC sans objet. C'est-à-dire, en somme, ça serait... Là, pour le coup, c'est une proposition vide. C'est-à-dire qu'on n'a même pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. C'est juste le simple fait de se mettre d'accord sur rien. Autrement dit, le simple fait de participer. Je m'explique. Par rapport à cette idée ou plein d'autres, au final, on est quand même soumis au bon vouloir du président de la République. L'idée, c'est précisément de... Et donc, même avec 30 millions de signatures sur n'importe quoi, rien ou autre chose, je ne sais pas,
même avec 30 millions, il peut ne pas accepter. Mais on a bien compris, mais que ce soit Macron ou un autre, parce que lequel on aura derrière. Mais c'est pour ça qu'il y a un atelier de destitution. On est d'accord. Voilà, là on est sur un atelier RIC. Mais comment on fait pour l'obtenir? Il y a un lien forcément, mais. La destitution, le problème, il est toujours en amont. Ça fait 15 semaines. Et ben, j'en reviens à ma proposition. C'est organisons le mouvement des Gilets jaunes de Gironde. Mais organisons-le. Utilisons comme outil d'organisation, utilisons le RIC comme outil d'organisation des Gilets jaunes de Gironde. Et si on fait ça en Gironde, ils ont déjà commencé à le faire à Commercy, il y a Toulouse, etc. Ça prend du temps, voilà. Mais au bout d'un moment, il va y avoir une fédération nationale des Gilets jaunes qui fonctionne sur le RIC. Et quand ça va vraiment fonctionner, et ben là, on sera crédible. Parce qu'on va prendre des décisions sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait comme action concrètement sur les prochaines mobilisations, qu'est-ce qu'on demande concrètement, etc. Certes, la légitimité, tu n'auras pas. Mais ça en fait partie. Non, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres propositions. On peut être 30 millions d'accord, 50 millions d'accord. Je ne sais pas. Si l'Assemblée n'est pas d'accord, je me souviens quand même que. Il y a deux jours, le RIC a été proposé à l'Assemblée nationale. Ouais, ça a été retoqué. Ça avait été proposé encore avant d'ailleurs. On est d'accord, aujourd'hui. Ouais, mais là, pour le coup, on a en live. Non, mais c'est sûr que c'est pas en le demandant qu'on l'aura. Même pas discuté. C'est pas en le demandant qu'on l'aura, c'est en prouvant que ça fonctionne qu'on l'aura. On est d'accord, mais à un moment, pour que ça devienne opérationnel, il y a bien un moment où on va être obligé de changer nos institutions. Je ne sais pas ça, mais parler, ça fait 15 semaines qu'on parle. Ça va prendre du temps. Hein. C'est Bidon, il fait du stand-up, en fait, il se prend pour Carnel. Il est là, devant les maires. Cohérence, pour réconcilier à la fois la question de la cohérence, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de plateforme commune où tout le monde se réunit autour de cette seule et même question du RIC, et pour aussi avoir cette question de fond, parce qu'en effet, s'assembler autour de l'idée du RIC, mais complètement vide, signer une pétition alors qu'il y a tellement de problèmes à régler, tellement de problèmes écologiques, sociaux, etc., demander à des gens de signer un papier ou juste... Enfin, où il n'y a pas de proposition concrète sinon de dire je participe au RIC et je respecte les autres, je trouve ça au fond formidable comme idée, mais je ne suis pas sûre que ça convaincre beaucoup de monde. En revanche, pour faire avancer le schmilblick, parce que c'est vrai qu'on parle, mais finalement il y a vraiment cette question concrète et pragmatique qu'il faut mettre en avant. Bon, moi je ne suis pas fan d'internet particulièrement, mais ou alors ça pourrait se faire sur papier, mais peut-être le site internet serait un levier pour au moins fédérer et pour faire avancer les choses, un site internet où les gens proposeraient alors chacun à leur tour une question, et au moins ça déboucherait pas forcément sur ce qu'on veut, mais ça ferait avancer les choses. Il y aurait des questions qui émergeraient parmi d'autres. Alors il y aurait des gens qui poseraient la question « faut-il que Macron démissionne ?», des gens qui poseraient la question « faut-il supprimer l'ISF ?», des gens qui poseraient la question « faut-il planter davantage d'arbres ?» ou je ne sais quoi, ou donner de la nourriture bio aux enfants. Bon, plein de choses très hétéroclites, mais sans doute, il y aurait des questions qui émergeraient de cet ensemble. Et ça ferait monter la sauce et les gens en parleraient davantage. Voilà, c'est des petits pas, mais il me semble qu'ils sont nécessaires si on veut que les choses se concrétisent. Pour avancer dans cette question du RIC qui reste assez nébuleuse pour beaucoup de monde. Par rapport à ça, il y a un site internet, j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps, je crois que ça s'appelle Le Vrai Débat. Ça a été fait en parallèle, voilà, c'est exactement ce que tu dis. Ça s'appelle Le Vrai Débat, j'y suis allé. Alors c'est bien et pas bien, donc c'est bien parce que chacun peut s'exprimer, mais c'est pas bien parce que chacun peut s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, tu retrouves exactement toutes les contradictions que tu as dans la société. Et il manque un cadre et quelque chose d'un peu sérieux, et que les gens viennent avec un esprit sérieux. Il y a ce souci-là. Mais en fait, il y a des centaines de différentes façons de l'imaginer. Aujourd'hui, il n'y a pas un RIC officiel qui serait comme ceci ou comme cela. Je crois que là-dessus,
se laisser du temps. Y a un bon moyen d'appréhender ça, c'est d'aller dans des ateliers constituants, justement, où on met la main à la pâte pour légiférer en tant que citoyen. On va avec un groupe de gens, c'est du bac à sable, c'est pédagogique, mais on va comprendre ce dont il s'agit profondément, parce qu'on va le faire soi-même, on va écrire des articles. C'est pas demain qu'on ira en position pour imposer la constitution. Je retiens quelque chose. Moi, c'est d'abord de regarder ce qui a été fait. Et donc, du coup, j'ai entendu dire, je ne sais plus où exactement, mais il y a des mairies, quelque part en France, qui ont déjà fait des choses qui sont similaires. Et avec, on pourrait au moins les contacter pour avoir leur idée sur le sujet, voir comment ils l'ont mis en place, ce qu'ils ont eu comme contrainte par rapport à ça, et ceux qui pourront, enfin ça pourra nous aider pour la suite. Il y a des mairies, puis il y a des pays qui fonctionnent avec le RIC. Oui, mais d'abord les mairies. Mais ouais. Oui, oui. Commençons par petit échelon pour éviter justement de dire qu'on ne balance pas.